petit coucou, juste pour vous expliquer comment je fais et en direct comment mon mélange huile de Nîmes et savon noir pour le jardin. Donc, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, en fait, sur l'huile de Nîmes. C'est pour quasiment toutes les maladies et les nuisibles. Donc voilà, c'est un produit multifonction. Donc je vous laisse aller voir ce que j'ai mis dans l'autre vidéo pour avoir plus d'explications. J'essaierai par la suite de faire une vidéo aussi, on va dire, par synthèse vocale. Avec un lien ou plusieurs liens qui vous expliquera peut-être un peu plus en détail les propriétés de l'huile de Nîmes. Au moins pour le jardin, puis peut-être pour la santé en même temps, parce que de toute façon, tout est lié, hein, et puis si votre jardin va bien, forcément, vous irez mieux aussi. Voilà. Donc on commence, et puis je vais vous faire voir ça. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein, je vous rassure. Donc voilà, donc moi je prends de l'eau chaude directement au robinet. Alors, ça sert à rien qu'elle soit trop chaude non plus. Alors, je vais voir, donc là ça va. J'ai fait couler un petit peu juste avant et s'organise. Donc voilà, je remplis en fait le faitout d'eau. Ça me fait quoi. Je vais mettre à la moitié et après je rajouterai de l'eau après. C'est juste histoire de faire le mélange. Voilà, donc là c'est suffisant. Hop, il y en a largement assez. Après, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, on va mettre 100 g d'huile de Nîmes pour 100 g de savon noir. Donc voilà. Donc, vous avez besoin d'une petite balance électronique. Oh, j'ai payé la cassette. Alors, celle-ci, voilà, j'ai dû l'acheter 13 euros. Alors, c'est vraiment pas grand-chose. Hein, c'est une petite balance. Votre balance de cuisine peut suffire. Sauf si elle n'est pas assez précise, forcément. Si elle marche au kilo, ça ne marchera pas. Mais bon, en général, ça ne marche pas au kilo. Donc voilà. Donc, bon, là, je suis en millilitres. Bon, c'est à peu près pareil, de toute façon. Alors, je la remets en grammes. Voilà, je suis en grammes. Donc, j'ai ma fille qui fait des siennes derrière. Oula. Donc, 100 grammes. Alors, l'huile de Nîmes. Donc voilà, 100 g d'huile de Nîmes. Donc là, il fait chaud. Donc elle n'est pas figée. Mais il faut savoir que ça fait un peu comme l'huile de coco pour ceux qui connaissent. Quand il fait un peu plus froid, en fait, elle fige. Donc bon, voilà, on s'adapte, hein. Donc là, c'est plus pratique, forcément. Elle n'est pas figée. Alors, ce que je vais faire. Alors, quand vous voyez dans l'eau, je ne sais pas si vous voyez d'ici. Non, je ne pense pas. Bon, enfin voilà, elle ne se mélange pas. Elle ne se mélange pas du tout avec l'eau, ce qui est logique. L'huile, ça ne se mélange pas avec l'eau. Hop, je remets à zéro. Hop, quand tu veux. Ça y est, c'est bon. Non, je suis à 2 grammes là. Allez, on va l'éteindre autrement. Voilà. Voilà, je suis à zéro. Donc là maintenant, je prends 100 grammes de savon noir. Bon, là, je ne suis plus trop dans le cadre, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vais vous faire voir après. Bon, je ne vais pas changer à chaque fois la caméra de place, ce n'est pas très pratique. Hop, j'ai personne qui filme moi à côté, alors je fais ce que je peux. Donc voilà. 100 g de savon noir. Voilà, bah, pile poil. J'aurais pas pu faire mieux. Voilà, j'éteins ma machine. Hop. Déjà, ma machine d'ailleurs, c'est super bien parce qu'elle se recharge en USB. Pour les personnes intéressées, même en autonomie, c'est pas mal. Dans le sens où vous pouvez recharger avec des panneaux solaires, hein, ce que je fais aussi en cas de besoin. Bon, là, j'ai pas besoin, et pour l'instant, il y a l'électricité, mais. Voilà, elle se recharge aussi en USB. Donc, c'est bon à savoir que ça existe, hein. J'essaye de m'équiper le plus possible, soit en USB, soit, on va dire, en recharge solaire. Donc, voilà. Donc, celle-ci est USB. Puis, j'ai dû acheter ça, je ne sais plus, 13 euros. J'ai dû vous le dire tout à l'heure.
Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, c'est le savon noir. Donc le savon noir, celui-ci, c'est pas du liquide, mais comme l'eau est chaude, c'est pas bien grave. Donc, hop, je mets mon savon noir. Bisous. Et là, on va laisser fondre tranquillement le savon. Et après, je vais émulsionner. Et en fait, le but, c'est de mélanger l'huile de Nîmes avec le savon. Voilà, c'est de la cuisine en fait. Donc, il faut que tout soit homogène en fait. Dès que c'est devenu homogène, la préparation est prête. Franchement, c'est vraiment très simple. Alors voilà, ah, ça commence à pas mal mousser. Et puis là, hop, il reste encore un peu de savon. Dès qu'il n'y en aura plus. On pourrait peut-être mettre un peu moins de savon. J'en mets pas mal quand même. J'ai pas trouvé vraiment la proportion. Donc bon, bah, vous faites attention, hein, vous n'exagérez pas sur vos plans. L'huile de Nîmes, c'est quand même assez efficace. Sauf que bon, bah, comme tout produit naturel, il faut quand même attendre un petit peu que ça agisse. Hein. C'est comme en interne. Quand on se soigne au naturel, par contre, c'est durable. Contrairement aux produits chimiques hein, j'allais dire pourrissent les sols, mais non, c'est pas ça, c'est pas, ils pourrissent pas, mais on va dire, oui, enfin, d'une certaine manière, ça pourrit le sol quand même, et donc voilà, tout ce qui est produits chimiques, hein, peu importe quel produit chimique, même si ça paraît anodin comme ça, même les granulés, quand on peut éviter, vaut mieux éviter. Vaut mieux passer au naturel. C'est vrai que vous aurez pas un effet radical. Par contre, il y a autre chose que l'on peut faire normalement. Je pense que ça doit marcher. Je ne sais pas si vous connaissez l'artémisia. Donc, l'artémisia, en fait, c'est de l'absinthe. Et donc, là, pour l'instant, moi, j'en ai pas encore assez. C'est pour ça que je ne vous en ai pas encore fait voir en vidéo, mais j'essaierai de voir. J'ai plusieurs pieds, mais le temps, voilà, ils sont deux cette année. J'en ai remis d'autres, j'ai refait d'autres semis. S'ils prennent, bon, je remettrai d'autres un peu partout. L'avantage, c'est que cette plante, en fait, est un anti-nuisible aussi, et sert beaucoup en interne. Beaucoup connaissent aussi l'Artemisia annua. Elle a été utilisée dans la cure du docteur Clark contre tous les cancers. Donc, attendez, je dois avoir le livre. De toute façon, je fais toutes mes vidéos d'ailleurs sur mes livres. Je ne sais pas où il est. Est-ce qu'il est par là? Ouais, bon, comme je n'ai pas sorti, il doit être par là. Mais c'est un gros livre. Ah, voilà, j'ai repéré parce que c'est un gros livre. Voilà. Donc, ce livre, en fait, voilà, qui est. Donc la cure de tous les cancers du docteur Clark, elle utilise en fait entre autres l'Artemisia annua pour soigner les cancers. Elle n'utilise pas que ça, elle utilise aussi les clous de girofle et le brou de noix. Ouais, c'est un bouquin à lire éventuellement, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. En fait, moi j'aime bien faire un amalgame de tout. C'est important de faire. Comment dire? Il ne faut pas s'arrêter à un bouquin, il ne faut pas s'arrêter à un lien. Ce qui est bien, c'est quand on lit plusieurs sources, au bout d'un moment, on va trouver des choses qui se rejoignent. Et c'est là où on se dit, tiens, c'est bizarre, ça rejoint. Et puis voilà, puis. Donc après, voilà, c'est pour ça que l'artémisia, je pense que même pour les plantes, elle peut les protéger. C'est-à-dire qu'une fois que votre plante est assez grande, bon, évitez de la ratiboiser, c'est toute petite, mais ça pousse très très vite. Et vous coupez quelques branches et vous mettez ça autour de vos plants qui sont fragiles. Et normalement, les nuisibles n'approcheront pas, rien que l'odeur. En fait, c'est comme le nîmes, en fait. Hein. S'il a deux effets, le nîmes, hein, autant il peut agir sur la reproduction, en fait, il limite la reproduction des insectes, hein, donc il ne va pas les tuer, hein, il limite la reproduction. Et il va aussi, faire un effet répulsif. Hein.
Disons qu'entre la terre de Diatomée qui peut agir aussi, mais c'est très long, mais il ne faut pas qu'il pleuve. Là, c'est pareil. Le mieux, c'est qu'il ne pleuve pas non plus. De toute façon, il n'y a pas de miracle, hein. C'est soit vous faites ça, soit vous le faites tout bouffer, comment dire, vous utilisez des produits phytosanitaires. Et là, franchement, je le déconseille. Pour vous, déjà pour votre santé, et puis en plus, ne serait-ce que pour les sols, hein, pour tout le monde, hein, parce que ça va dans les nappes phréatiques et tout repart dans l'eau, et tout le monde, voilà, il suffit de quelques personnes, et puis en fait, on empoisonne tout le monde. Donc, voilà. Donc, moi, je suis contre tous les produits phytosanitaires et contre pratiquement tous les médicaments, sauf en cas d'urgence, on va dire pour les médicaments en fin de vie. Et pour des cas d'urgence, voilà, il faut se faire opérer, voilà, c'est différent. Là, c'est complètement différent. Mais j'estime qu'on peut tout faire par le naturel avec des plantes. Par contre, c'est plus long, c'est vrai, mais vous arrivez à un effet durable. Il faut laisser le temps à la plante d'agir sur tous les comment. Enfin, si c'est une plante qui cible, par exemple, le foie, il faut lui laisser le temps de nettoyer votre foie. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler encore là-dessus, je vais partir sur plusieurs choses. Mais voilà, donc ma préparation est faite. Donc je range mon bouquin pour l'instant. Je verrai ça, je ferai peut-être une vidéo avec à peu près mes lectures. Ça fait un petit moment que je lis plus, enfin un peu moins, on va dire, plus des liens. On trouve de moins en moins de sources sur Internet, tout est boycotté. On en trouve encore, mais franchement, il était temps que je fasse des recherches bien avant. Donc voilà. Le temps que je prépare, il y a une mouche qui est tombée dedans. Bon, après, c'est pas bien grave. Voilà, c'est pas pour moi. Donc voilà, ça c'est fait. Donc, une fois que cette préparation-là est faite, je vais casser, c'est pas grave. Là, je vérifie que tout est bien. Voilà. Donc, je vais vous la faire voir de plus près. Vous voyez, ça mousse. Et vous ne voyez pas que c'est homogène, mais si c'est homogène, en fait, il n'y a plus rien. L'huile s'est bien mélangée avec l'eau grâce au savon noir. Alors là, bon bah je vais mettre cette préparation là-dedans en évitant d'en mettre le plus possible à côté. En général, j'ai tendance à en foutre un petit peu à côté. Là, on va essayer de le faire au mieux. Ça, c'est vrai que c'est lourd. On va essayer de faire au mieux. En plus, on fait les muscles. Hop, allez, c'est à moi. Bon, l'avantage, c'est que c'est aussi anti-puce, anti-poux, donc j'en ai sur moi. Je suis tranquille. Voilà. L'huile de Nîmes peut servir aussi anti-moustique. Enfin, franchement, après, je vous dis tout de suite, ça sent pas forcément très bon. C'est pour ça qu'elle est aussi répulsive. Bon, après, moi, je suis habituée à l'odeur, ça me gêne plus trop. Mais disons que ça peut gêner certaines personnes. Donc, voilà, je suis un peu. Je vais sortir un peu l'huile de Nîmes. Je reçois quelqu'un sans remédier, je vais sentir l'huile de Nîmes, c'est pas terrible. Enfin bon, bref. Donc là, maintenant, bon, l'avantage de ce genre de robinet, c'est que on peut mettre directement dedans. Voilà. Alors là, je n'ai plus besoin de mettre d'eau chaude, hein, vous pouvez passer à l'eau froide. Et je remplis. Donc les proportions que je vous ai données, c'est pour 5 litres. Hein. Donc, franchement, si vous n'avez pas de pulvérisateur comme celui-ci, bah, vous adaptez, hein, vous faites un calcul en croix, et puis vous faites le rapport pour la quantité que vous avez forcément. Donc là, je remplis pas trop trop vite, parce que si vous remplissez trop vite, forcément, ça va mousser encore plus. Donc là, déjà, ça mousse, mais ça va. Donc là, moi c'est fait. Là, je ne vais pas le refaire aujourd'hui, mais j'en fais d'avance. Je pensais qu'il allait m'en rester avec ce que j'avais fait hier. J'en ai fait hier, mais bon, du coup, j'ai fait un peu plus que ce que je pensais faire. Et puis, du coup, j'ai fait devant aussi. J'ai tout traité. Enfin, du moins, ce qui était fragile, hein, le reste, je ne le fais pas.
Et puis, comme ça, c'est fait. Et voilà! Plus qu'à fermer. Et c'est prêt pour la prochaine fois. Donc, ça se perd pas, parce que de toute façon, c'est un antibactérien. Donc, du coup, ça ne se perd pas. Le savon, en temps normal, ça ne se perd pas non plus. Donc, c'est une préparation que vous pouvez garder un petit moment quand même. Hein. Bon, après, si vous la mettez en pleine chaleur, bon, ça risque peut-être de fermenter, je sais pas. Bon, après, je ne l'ai pas gardé assez longtemps pour que ça fermente non plus. Donc voilà, bon, bah, je vais arrêter la vidéo là maintenant. Je pense que j'ai tout dit au moins pour ça. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.